Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo vlog de la pseudo rentrée du 18 mai. J'accueille ce matin mes élèves de petite section, j'en ai à peu près 6. Je vais essayer de vous montrer l'organisation de mon école, mais aussi de la classe, comment est-ce qu'on a fait pour bien respecter les distanciations, la distanciation sociale et toutes les règles liées au coronavirus. Je vais essayer de vous montrer ça dans la journée et puis aussi vous dire un petit peu partager un petit peu mon ressenti d'enseignant sur cette journée avec très peu d'élèves et des conditions qui sont un petit peu particulières. Je suis déjà allé à l'école jeudi et vendredi, lundi et mardi pour une réunion de rentrée où on a préparé la classe. Jeudi et vendredi, on a commencé à accueillir les grandes sections. Aujourd'hui, c'est au tour des petites sections et des moyennes sections de rentrée. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. On se retrouve donc dans la classe, masqué bien entendu, et je vais vous faire un petit tour tout simplement de la classe pour que vous voyez un petit peu l'organisation qu'on a eue. Alors voici l'organisation de nos tables. Nous avons donc fait une organisation avec des tables ovales, hein, c'est les tables dont nous disposions, et nous avons fait des petites barquettes, tout simplement nominatives. Donc les enfants vont avoir la petite barquette pour la journée avec un pot de crayon, un pot de feutre, de la colle, des petites étiquettes, des ciseaux, un crayon de papier. Et tout va être désinfecté le soir même, tout simplement, pour que le lendemain, l'enfant retrouve son matériel complètement désinfecté. Donc, on a 6 élèves ce matin. Ça veut dire que on a une table de 2, une deuxième, une troisième, et puis la table rectangulaire, en sachant que on va pouvoir accueillir donc environ 2 élèves de plus, si jamais on est un petit peu plus. On a aussi ici l'organisation du pseudo temps de rituel en fait, où on va pouvoir peut-être lire des histoires, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que du coup donc on a essayé d'écarter au maximum les élèves, donc on a à peu près 1 mètre entre chaque chaise pour respecter bien les distanciations. Et c'est vrai qu'on va vite se retrouver coincé si on arrive à plus de 6 élèves, tout simplement, parce que la classe n'est pas extensible. On a décidé pour le bien en fait des enfants de ne pas enlever en fait l'ensemble des jouets, mais plutôt de dissimuler, de cacher les jouets qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. En fait, ça permet de retrouver quand même une décoration de classe qui est identique à celle qu'ils connaissent, pour pas qu'il soit trop perdu, mais en même temps en respectant justement toutes ces consignes. On a mis en place aussi le matin un petit chemin, tout simplement pour le lavabo, où les enfants vont passer la plupart de leur temps, on est bien d'accord. Et donc ensuite, chaque élève va rentrer un par un dans la classe dès le matin, et va ensuite s'installer sur les différentes tables. En termes d'activité, on a prévu des petits coins en fait, activités. Alors bien sûr, ils ne sont pas disponibles pour les élèves, hein. C'est l'enseignant qui va préparer, c'est mon travail en fait, c'est ce que je vais faire tout de suite. On va préparer donc une activité à peu près par 2 à 3 activités par matinée. Et donc les élèves vont pouvoir tourner sur leur activité. Le jeu en question sera donc désinfecté à la fin de la matinée. On est sur un fonctionnement d'une organisation où pour l'instant on est en présentiel le matin, distanciel l'après-midi. Ça va être amené à changer après le 25 mai. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais pour l'instant, on a décidé de mettre en place cette organisation, ce qui nous laisse assez de temps pour réaliser le distanciel de l'après-midi. Et les enfants sont acceptés donc en présentiel le matin. Pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants l'après-midi, on a mis en place justement un service où les enseignants tournent sur l'après-midi pour garder les enfants de personnel soignant ou les enfants qui ne peuvent pas rester à la maison l'après-midi. On se retrouve tout à l'heure, j'ai un petit peu de préparation. A tout à l'heure. Bien, on se retrouve après une journée de classe un petit peu particulière avec un enseignement lui aussi un petit peu particulier, hein. Particulier pourquoi ? Tout simplement du fait de peu d'élèves. Donc j'avais au final 5 élèves ce matin en petite section, et aussi du point de vue de la posture, hein. On a un masque sur la tête, donc forcément les façons d'enseigner sont complètement différentes. On doit vous faire
pratiquement tout passer par la parole et c'est un petit peu compliqué parce que lorsque vous êtes assez expressif du visage, on ne voit uniquement que vos yeux et vos mains, donc c'est un petit peu compliqué de se faire comprendre auprès des élèves, etc. Les respects de la distanciation sociale est aussi très très compliqué, tout simplement parce qu'on a des élèves qui ont entre 2 et 3 ans et que c'est très compliqué pour eux de voir leur maître, leur maîtresse, leur ATSEM et ne pas venir au contact, etc. Le masque, on en parle 2 petites secondes. Il peut faire peur justement à ces enfants aussi qui arrivent, hein, ils ne nous ont pas vus depuis presque 2 mois. Et donc nous voir déjà, on a peut-être un petit peu changé eux aussi. Et en plus, on a ce masque sur la tête. Donc ça a été une petite barrière, on va dire, qui a été très vite oublié aussi par les élèves parce que on s'est rendu compte que eux réussissent très bien à s'adapter à la situation. Que ce soit au niveau des gestes barrières, on est passé par des petits jeux et ça a été très bien compris par les enfants. Le lavage des mains, etc. Le respect justement de tout le monde à sa place à la manière un petit peu de CP par exemple qu'on peut retrouver en élémentaire. Ça, ils ont plutôt bien aimé. J'ai l'impression que c'est un petit peu bien passé dans leur esprit tout simplement parce que depuis 2 mois aussi, on entend beaucoup de choses à la télé, les gestes barrières. On essaie aussi, nous, à l'école et en distanciel, de bien répéter, de bien formuler justement ces différents gestes contre le virus, etc., pour justement se protéger. Et donc, c'est très bien passé, je trouve, dans l'esprit des élèves, même en petite section. J'appréhendais un petit peu ça, et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et il faut savoir qu'en maternelle, on part beaucoup sur des jeux, sur des comptines, et ça marche plutôt bien. Journée aussi un petit peu particulière parce qu'on a vu un petit peu l'organisation, comment est-ce que ça se déroulait avec l'ensemble des classes. Donc là, on a fait rentrer aujourd'hui donc les petites sections, les moyennes sections. Les grandes sections étaient déjà rentrées. Il y a 8 classes dans l'école. Ça signifie que c'est une organisation monstrueuse à mettre en place. Et donc ça s'est plutôt bien goupillé. Les parents ne rentrent pas dans l'école, restent au portillon. On a un système de balises en fait pour chaque classe, donc dans la cour, distancée à 1 mètre, donc sur chaque ligne, hein, des files indiennes tout simplement. Chaque ligne a un repère de 1 mètre à chaque fois pour chaque élève de chaque classe. Et on a aussi les bancs à l'intérieur qui sont en cas de mauvais temps, etc., où on peut justement mettre l'ensemble de nos élèves sur ces bancs-là. En termes d'hygiène, on se rend compte que l'ensemble de la journée est basé sur l'hygiène aussi, hein. Les apprentissages sont là, mais on est vraiment sur l'aspect tout nettoyer tout le temps. Que ce soit les mains, que ce soit le mobilier, que ce soit les choses que l'on a touchées. C'est vraiment un processus qui est un petit peu compliqué à mettre en place parce que du coup, on n'est pas habitué à ça. Mais toutes ces règles-là vont faire partie, je pense, de nos vies dans les prochaines semaines, que ce soit à l'école ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est très chronophage. Le passage aux toilettes est très long. On a aussi, alors, il est très long. Ça dépend vraiment de l'effectif qu'on a. Pour le coup, si jamais on a à passer aux toilettes, on va par exemple toucher la rampe pour remonter dans notre classe. Donc, il faut nettoyer la rampe, etc. C'est vraiment des gestes qui sont compliqués justement à mettre en œuvre sur une grande école, dans une grosse organisation. Mais ça se fait plutôt bien. Tout le monde y met du sien, etc. C'est vraiment très bien fait. Les élèves sont vraiment au top pour ça. En termes de ressenti personnel sur ma journée, je l'ai dit, donc enseigner avec un masque, c'est très compliqué. Lire des histoires avec un masque, c'est très compliqué. Chanter, etc. On a une organisation qui fait que pour le moment, on accueille les enfants uniquement le matin et les enfants des parents qui vont travailler, donc qu'ils soient soignants ou alors qui ne peuvent pas garder leurs enfants l'après-midi, sont à l'école et donc sont gardés par des enseignants disponibles. L'ensemble des autres enseignants réalisent leur distanciel les après-midi pour le moment. À partir du 25 mai, c'est une date un petit peu butoir. À partir du 25 mai, cela va changer. On va avoir une organisation où l'ensemble de l'école va passer en présentiel sur toute la semaine avec un créneau accordé à tous les enseignants l'après-midi qui sera à peu près de 2 heures par jour et dans lequel les enseignants pourront réaliser leur distanciel mais à l'école. Alors c'est un petit peu compliqué en termes d'organisation parce que c'est des directives qui viennent d'au-dessus, hein, hiérarchiques. Et donc,
Le distanciel sera fait à l'école, mais pendant un temps de 2 heures à peu près l'après-midi. Et ces 2 heures justement de l'après-midi, eh ben, seront prises par un autre enseignant disponible pour venir compléter les enseignants qui feront leur distanciel. L'organisation, pardon, a pris vraiment du temps. La directrice a vraiment bien travaillé pour justement mettre en place ce type d'organisation, pour respecter. C'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il faut respecter les directives qui viennent de dessus. Et en même temps, il y a l'aspect pratique en classe et dans l'école qui fait qu'on a des élèves qui viennent, on a des élèves qui devaient venir mais qui ne viennent pas, on a des élèves aussi qui sont en suspens. Les parents ne savent pas s'ils doivent les remettre ou pas, et c'est tout à leur honneur, hein. C'est un petit peu compliqué comme période. Et donc, eh ben, ça crée une organisation et un schmilblick qui est vraiment énorme, mais qui, à mon avis, va fonctionner dans les semaines à venir. Je pense que ce qu'on est en train de vivre là est, ben, sont tout simplement les prémices de ce qui va se passer en septembre. Sauf qu'en septembre, on va avoir des effectifs qui vont être beaucoup plus grands. Et donc ça va être aussi encore une autre histoire. En tout cas, ce format m'a plu. Un système de vlog, c'est-à-dire vous emmener dans la classe. J'aimerais faire plus de vidéos comme ça, en vous présentant un petit peu ce que je peux faire en classe, etc. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Profession Prof. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à donner vous aussi votre avis, votre organisation, tout simplement l'organisation de votre école, et voir un petit peu comment est-ce que vous vivez ce moment qui est aussi compliqué de retour à l'école avec moins d'effectifs, mais des barrières en termes d'organisation. À plus, salut!